lorsque je dis que vous aurez à investir. Une fonction, c'est pour seulement une sorte d'annonce. En disant que vous aurez à investir, je veux dire, vous aurez à payer la configuration de la fonction dont vous voulez vendre les annonces. Les tarifs pour acheter une fonction sont de $52 à $125. Par vos trois premières ventes d'annonces, de la section de la fonction, vous aurez dépassé le coût de la fonction. Dans nos pages, je vous explique que c'est pour vous protéger, vous les travailleurs. En fin de compte, ça fait beaucoup d'argent à investir. Chaque fonction vous rapportera assez d'argent pour payer la commande d'épicerie de la semaine. Nous avons environ 18 ou 20 sortes d'annonces, donc environ 18 ou 20 fonctions à acheter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter et de payer tout de suite les fonctions. On peut vous les vendre à crédit, vous les prêter pour 30 jours. Avant? Donc les fonctions, autrement dit, au lieu de payer, mettons, tout de suite $52, on peut vous les prêter pour 30 jours. Fait que vous payez juste dans 30 jours. Si, mettons, que vous ne la prenez pas, bien, on vous la rembourse à part de ça. On la désactive et on la rembourse. Fait qu'on continue. Si vous êtes le chef d'une section d'annonce, en investissant pour la section d'annonce que vous serez le chef, vous payerez $1. Vous revendrez à vos équipiers $2. Vous revendrez au chef des autres sections $1.50. Ce qui veut dire que toutes les ventes d'annonces de votre section vous rapporteront $1 par vente, quand vendu par vos équipiers. Vous rapporteront 50 cents par vente, quand vendu par les équipiers des autres chefs de section d'annonces. Tous les vendeurs vendront des annonces de toutes les sections d'annonces, donc votre section est comprise. Fait que tous les vendeurs de vos vendeurs à vous, les vendeurs des autres équipes aussi vont vendre vos annonces. Fait qu'en réalité, les annonces de la section que vous allez être. Fait qu'à ce moment-là, toutes les annonces vont vous rapporter. Toutes les annonces, mettons un exemple, hébergement. Si vous êtes chef de la section hébergement, bon, toutes les annonces hébergement qui vont être vendues dans le Québec vont vous rapporter. Si vous êtes le vendeur, fonction de base, vente. En investissant pour chaque section d'annonce que vous achèterez, vous payez $2 pour vendre à vos clients $20. Puisque vous serez chef d'une équipe de vendeurs, ce que vous aurez payé $2, vous les revendrez à vos équipiers $8, ce n'ayant pas investi. À ce moment-là, vous serez le chef de vendeur d'annonces. Il ne faut pas se mélanger. Il y a le chef de la section, un vendeur, un VANCL, il a son équipe. Fait que lui-même, il a une petite équipe. Ses équipiers, lui, c'est des aidants, puis ses clients, c'est des annonceurs. Fait qu'en réalité, lui, il paye le VANCL, le vendeur, il va payer $2, puis il va vendre $8 à ses aidants, ou $20 à ses clients, à ses annonceurs. Fait que c'est une autre manière de dire que c'est encore un autre chef, tu sais. Des chefs de chefs, tu sais. Fonction bénévole, c'est juste pour publier des activités sans vendre d'annonce. En passant, c'est une fonction idéale pour des anciens jeunes et si le bénévole a investi, les activités qu'un bénévole publiera, ça lui rapportera environ $2 à $4. Pour ce poste bénévole, ça vous rapportera en ayant investi. Investi. OK, autrement dit, il a investi, ça veut dire qu'il a acheté la fonction bénévole. Fait qu'à ce moment-là, il va avoir, là, j'ai marqué 2 $ à 4 $ mais c'est de 3 à 4 $ Je m'aperçois que, bon. Pour le chef d'une section, on continue. Autrement dit, là, il y a des prix pour la mine, 1 piastre. Le chef, il vend 2 piastres. Le vendeur, lui, va vendre 6 piastres, 8 piastres ou 20 piastres. Il y a des prix. Selon la fonction, selon le niveau qui est là, tu sais.